Alors, mentionnons deux choses. Le cas sans répétition, K égale 1, que nous avions vu avant. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, le modèle que nous avions vu avant, c'était celui-ci. Mu plus alpha i plus bêta j plus epsilon j. On ne mettait pas d'interaction. Si on voulait la mettre, que se passerait-il? Ben, si on voulait la mettre, regardez ce qui se passe. On aurait mu plus alpha i plus bêta j plus alpha bêta i j. Après tout, qu'est-ce qui m'empêche de mettre ce terme d'interaction? Rien. Donc je mets ce terme d'interaction. Ça me fait combien de paramètres à estimer tout ça? On l'a calculé tout à l'heure. Alors je vous le remets ici, ij. Ah tiens, j'ai combien de données ici? Ij données, combien de paramètres? Ij. Donc je suis dans une situation où j'ai autant de données que de paramètres à estimer, c'est ça? Si vous préférez, j'ai autant de paramètres que de données. Donc dans ce cas-là, le résidu est nul par construction. Donc, j'ai le choix ici entre ce modèle où j'ai un résidu, ce modèle où j'ai une interaction, très bien, mais du coup je n'ai pas de résidu, parce que le résidu est nul par construction, donc je n'ai aucun recul statistique sur le résultat. Alors vous pourrez vous replonger dans votre cours d'analyse de variance à deux facteurs sans répétition, et regardez l'allure du résidu, je vous l'avais donné à l'époque. Eh bien, quand vous comparez ce résidu à l'interaction, qu'on vient de voir maintenant, c'est la même formule. Ce qui signifie que dans le cas sans répétition, en fait, le résidu et l'interaction sont mélangés. Ils sont intimement mélangés et on n'arrive pas à les séparer. Donc les répétitions vous permettent de séparer le résidu de l'interaction. Et si vous n'avez pas de répétition, vous n'avez pas de l'erreur pure. Vous avez une erreur qui est mélangée de l'interaction. Et on ne peut pas les séparer. Autrement dit, si pour un couple, variété, fongicide, bien que la variété soit bonne, bien que le fongicide soit bon, j'observe une très faible valeur. Je vous ai dit, ça peut être une interaction, un antagonisme, ça peut aussi être un résidu. Je ne pourrai jamais le séparer. C'est peut-être un mélange des deux. Peut-être que ça se compense, peut-être qu'au contraire, ça ne se compense pas. Voilà ce qu'il faut retenir. Là, c'est un petit peu délicat, mais c'est une réflexion que vous devez faire quand vous faites un modèle.